Eh bien salut à tous et à toutes, c'était TGC et on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau Let's Play sur Super Mario Odyssey. J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Le nouveau Let's Play secondaire de la chaîne c'est donc Super Mario Odyssey. Il vient de sortir au moment où je vous parle, en fait je suis le jour de sa sortie, Day One, je viens d'aller le récupérer. Et du coup on va pouvoir découvrir ensemble ce jeu puisque je ne connais quasiment rien du tout au jeu, à part avoir vu 2-3 screens, 2-3 extraits de niveau, mais je ne connais pas du tout le jeu, donc je vais pouvoir le découvrir avec vous. J'ai juste lancé le jeu, vous voyez qu'il y a déjà des fichiers de sauvegarde, j'ai juste lancé le jeu pour voir qui tournait bien, donc je connais juste un petit peu la cinématique de départ, et surtout qu'en fait, c'est la deuxième fois que j'enregistre cette intro, ce qui est magnifique, parce que j'avais plus de place sur mon disque, donc ça s'est coupé en plein milieu de la cinématique et c'était pas cool, donc j'ai dû recommencer. Donc voilà, c'est pour ça que je connais un petit peu la cinématique de départ. Du coup les amis, on va partir bien évidemment sur une toute nouvelle partie pour voir la cinématique, l'intro, etc. Et donc je vous propose de découvrir ce jeu tout au long de ce let's play. Et du coup j'espère que le let's play vous plaira. Et puis n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous plaît. Et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les aventures sur Mario Odyssey. Alors écoutez, du coup je vous propose qu'on commence immédiatement. Et comme ça on n'aura pas de soucis. Alors du coup commencez. Voilà, en mode normal bien évidemment. Au-dessus du château de Peach. Et maintenant, il est temps d'en finir. Wow. Mario. Je vais épouser Peach. Tu es jaloux, Mario? Elle a pas l'air trop d'accord, hein. En voilà un petit peu les bases, bien évidemment, hein, c'est Mario, hein. Donc on s'attend pas non plus au méga scénario, mais c'est plutôt pas mal. Allez, du coup, regardez aux alentours avec le stick R, voilà, et sautez. Ok, donc on a la caméra. On a une espèce de carte de boussole, je sais pas trop quoi. De qui sort celui-là? T'es un des leurs? Ça va? T'as joliment morflé, hein? Ce lourdeau de monstre Bowser s'en est aussi pris à notre patelin. Il a enlevé ma petite sœur. Ma calotte n'a fait ni une ni deux. Je me suis rué vers un vaisseau pour poursuivre cette brute de monstre de Bowser. Mais il n'y a plus un seul. Mais il n'y en a plus un seul en état de voler. Cela dit, il doit bien rester un vieux rafio encore utilisable dans le pays voisin. Je pourrais m'y rendre depuis le sommet de cette tour, mais les acolytes du monstre Bowser ne me laisseront pas passer. Dis-moi, on est dans la même galère toi et moi, non?
Ensemble, je suis sûr qu'on arrivera à sauver nos deux demoiselles. Pas convaincu? Peut-être comme ça. Capi est maintenant votre compagnon. Donc voilà la petite nouveauté du Mario Odyssey. Essaie de me lancer avec Y. Ah, intéressant. Ah oui, d'accord, on peut vraiment balancer comme ça, d'accord, ok, c'est pas mal. J'imagine qu'il doit y avoir un truc à faire si on allume tous les petits lampadaires. Je découvre un petit peu, hein, donc les petites commandes comme ça. Ouais, c'est plutôt pas mal déjà. C'est bon ça. Oh, intéressant. Interesting. Ouais. Bon, très bien. On gagne des petites pièces, c'est sympa. Bon, je pense pas en avoir oublié. Ah oui, pas mal. Pas mal, donc on frappe avec Y, ok. Ah, c'est intéressant comme mécanisme de gameplay. J'aime bien. Pour l'instant, j'aime bien, je suis plutôt fan. Vous pouvez secouer le Joy-Con? Ah oui. Ah waouh. Alors faut savoir que je joue à la manette. Donc ok, d'accord. C'est pas mal. D'accord, ouais, donc ok, il faut taper avec la caisselle. Ok, c'est bon. À l'intérieur de la chapiteau. Ah oui, d'accord, donc ça coule. On part sur un ça coule. Oh! Ok, je crois qu'on s'est enfin transformé. Ça, c'est la grande nouveauté du jeu. Alors ça, j'avais vu qu'on pouvait se transformer à peu près tout. Mario s'est champimorphosé en grenouille. Ah oui, pas mal. Et en plus, les plateformes ne coulent plus. Ah, c'est génial. C'est génial, j'adore. Ok. Alors, évitez de se faire toucher parce que je pense que si on se fait toucher,
Sur ZL. Ah. Voilà. On est à 6, ok. Bon, la grenouille a disparu. La grenouille a vraiment disparu. Je me demande s'il n'y avait pas quelque chose en haut. Bon, écoutez, ça m'a pas l'air. Ça m'a pas l'air. Ça a l'air d'être un immense mur. Ok, donc ça c'est des checkpoints. Ok, est-ce qu'on va avoir le premier boss? Ouais, on a eu 6 points d'énergie, à mon avis on va avoir un boss. Voilà. Le patron avait raison quand il disait qu'un moustache à casquette viendrait se mettre dans nos pattes. Qui en est? Quelle question incline-toi devant les maîtres de la noce, ordonnateur du fastueux mariage Bowser Peach. Découvre-toi devant les grands Broodals. Maintenant qu'on a notre trésor, on n'a plus rien à faire ici à part une petite formalité. Te faire mettre ta casquette, Minus, viens donc voir par ici. Ok, faut lui sauter dessus. Ok, bon, c'est un classique, ok, d'accord. Ah oui! Ok, bon, c'était pas très très compliqué. Deux coups, ça suffit. Ah, c'est génial ça, c'est une ligne électrique. Super Mario Odyssey. Perfect. Pays des chutes, territoire théropode. C'est pas mal comme voyage, hein. Ah, on a cassé la ligne électrique. La première lune de puissance. Ok. On y est enfin, voici le pays des chutes. La championne force sur une ligne électrique, ça retourne. Il devrait y avoir un vieux vaisseau dans les parages, partant sa recherche. Ah, oh, cette musique. Ah, oh, il y a 3 sur 50. Ok. Bon, il y a l'air d'avoir plein de trucs. C'est ouais. À mon avis, on n'a pas fini. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc ça, c'est une plateforme. Ok. Qu'est-ce que ça dit? Truc de voyage, lancez autoguidé. Après avoir lancé votre chapeau, secouez à nouveau les Joy-Con pour effectuer lancer autoguidé. Le chapeau se dirige automatiquement, lancez le proche, très pratique pour corriger un lancer raté. Ok. Ha ha!
Ok, d'accord. Bon, à mon avis, je vais secouer beaucoup la manette. Hein. Ah, il y a un tromp. Pas un tromp, un champ. Oh, génial. Oh, c'est génial. Ok, bon, bah, j'ai compris ce qu'il fallait faire. Ta-da-da-da, la première lune. Ok, donc voilà, donc c'est un peu comme dans Mario Galaxy avec les étoiles, hein, vous gagnez une lune. Justement, c'est le but, ça va être de récupérer un petit peu les lunes de puissance. Donc un peu comme dans les Mario, enfin dans Mario 64 ou dans les Mario Galaxy. Multiline en haut de la cascade. Oh oh. On a réussi, on a décroché une lune de puissance. C'est pas la lune, il faut pas rêver, mais on peut alimenter en énergie toutes sortes de trucs avec ces petites choses. Ok, intéressant. Donc apparemment il y en a 5 ici. Ah, le vaisseau. Il est là, c'est le vieux Raffio qu'on cherchait. Il est un petit arbre fossile, mais c'est parce que c'est un ancien modèle, je suis sûr qu'on va réussir à le faire voler. Essayons de le mettre en marche, lance-moi sur le globe là-bas. À mon avis, il va falloir les 5 lunes de la zone pour pouvoir partir. Ça ne démarre pas, on doit manquer d'énergie. Il y a peut-être des lunes de puissance à grappiller dans le coin. Exactement. Ah, mais qu'est-ce que je suis trop fort. Voilà, c'est vraiment le niveau introduction. Alors, il va falloir regarder un peu partout. Il y en a toujours nos 6 points d'énergie, bah c'est plutôt cool ça. Ah, là il m'énerve d'avoir quelque chose. Ok. Ok, je sais pas combien de fois je vais devoir le faire, mais apparemment. Oh merde. Ok, d'accord, c'était juste pour un trampoline, sérieusement. Ouf. Ok. Alors c'est quoi ces ZL? Ok.
Ok, le niveau qui a l'air vraiment. Ok, bon, on va les laisser là. Ah, c'est génial. Ça, c'est génial. On se retrouve vraiment comme dans les vieux Mario, c'est génial. On peut pas faire de saumuro. Faut pas faire les saumuro. Ah, ok, bon, c'est dommage. Ah, d'accord. Ok, je pensais qu'en fait, je voulais voir si on repassait en 2D ou pas. En fait, non. Ce rebond. Oh. Ah, le bon boss. Ah bah il a 3 lunes de puissance sur lui carrément. Ça n'arrive pas à faire décoller son épave et ça vient demander la lune. Désolé petit, mais je ne donne pas mes lunes au premier venu. Et surtout pas à de la pâté pour chomp. Magnifique. Magnifique. Ouais, vraiment j'adore ce boss. J'adore la façon dont on doit le battre. Ouh, j'ai failli me faire toucher. Allez. Allez. Qu'est-ce que tu dis de ça? Et 3 lunes de coup. Vous avez gagné une multilune, en haut de la cascade. Ah, du coup, on va pouvoir faire décoller le vaisseau. Chapeau Mario, on a mis la main sur une multilune. Ces petits bijoux ont l'énergie de 3 lunes de puissance, on devrait réussir à faire démarrer notre appui avec ça. Lance-moi sur le globe. Allez! L'Odyssée est restaurée.
On peut aller au Pays des Sables, allons vite secourir nos demoiselles. Prêt à partir, capitaine, sélectionne Pays des Sables, appuie sur A et zoom, on met les voiles. Ah, intéressant. Donc là, on a à peu près la carte du monde, c'est plutôt pas mal. Ah oui, donc d'accord, ok, donc par exemple, on voit très bien qu'au Pays des Chapeaux, il nous en manque. On voit qu'au Pays des Chutes, on en a eu 3, mais apparemment, il y en a 25. Bon, je pense qu'il y en a une avec les pièces violettes, honnêtement. Souvenir, champimorphose. Ok, c'est plutôt pas mal. Alors du coup, on va se rendre au pays suivant. Magnifique. Here we go. Alors par contre, on va direct au Pays des Sables, je suis pas trop fan. En vrai, j'aime pas trop le sable dans les Mario. Je suis pas méga fan des zones de sable des Mario. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce képi de capitaine? Pas mal, non? Revenons à nos moutons. Alors comme ça, cette crapule de monstre s'appelle Bowser. Eh bien Bowser n'a qu'à bien se tenir, parce que avec l'Odyssée, on va le rattraper en moins de 2. Bon, si on profitait du voyage pour faire un peu de lecture. Truc de voyage, charge au sol. Vous voulez vous débarrasser d'un bloc ou d'un ennemi ou aplatir une bosse dans le sol? Quand vous êtes dans les airs, effectuez une charge au sol avec ZL pour écraser tout ce qui se trouve dans votre postérieur. C'est bon à savoir, non? Tiens, et si tu jetais un coup d'œil au mode d'emploi pendant que tu y es? Ah, d'accord. Non. Tu peux consulter ton menu, tu n'as qu'à ouvrir le menu plus et sélectionner le mode d'emploi. Ok. Maintenant, voyons voir ce qu'on peut apprendre sur les pays des sables. Alors, il paraît que c'est un pays couvert de sable. Waouh, ça c'est de l'info, hein. Il paraît aussi qu'il fait super chaud. Et il semblerait que le coin soit connu pour sa gigantesque bague d'union. Intéressant. Ivezek. Au sommet de la tour des ruines. On y est, l'Odyssée, voilà, vole comme un charme. Brrr, on pourrait fendre brique avec un froid pareil. Je pensais qu'il faisait chaud dans le désert, moi. Tiens, il y a quelque chose qui brille là-haut dans la tour. C'est peut-être une lune. Ok. Alors, du coup, je veux juste voir ce que un peu le vaisseau à l'intérieur. Ah oui, on peut choisir. Ah oui, donc on peut changer. Bon, du coup, je vais reprendre quand même la casquette de Mario, ce qui est quand même beaucoup plus... Elle est classe, l'autre, mais bon, ça vaut pas la casquette de Mario, quoi. Alors je pense qu'on aura d'autres trucs après, mais bon pour l'instant il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Et là ils nous disent 16, il y avait marqué 16 lunes à avoir. Non, laisse tomber. Ok, donc bon, apparemment on va pas pouvoir partir d'ici de suite, hein, ce qui est un peu normal. De la glace, Azaïs lui demande du sol, les ennemis avaient terriblement froid. J'attends la taxi, mais il vient pas, d'accord. Ah, est-ce que ce serait pas la boutique de chapeau? Est-ce que par hasard j'aurais pas trouvé la boutique de chapeau?
Bonjour. En matière de pièces et de raisins, bien les pièces et les pièces. Les pièces sont utilisables partout, mais les pièces ne sont utilisables que dans les pays où tu les as trouvées, ça marche. Bonjour. Ah, les fameuses tenues. Reviens quand t'as des hantes. Oh là, je veux Marion en caleçon. Bon, par contre, je veux bien ta lune en fait. Ok, donc on peut vraiment gagner des lunes vraiment partout. Ce qui est plutôt intéressant. Alors du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on va pas de suite aller dans la lune ou quoi. Par contre, j'aimerais... Oh là là. Est-ce que je peux pas grimper sur le parasol? Non. Voilà, j'étais sûr que je pouvais faire ça. Voilà, on va essayer de ramasser un peu des pièces ou quoi pour essayer de se faire un peu des équipements quoi. Oh, il y a une lune là-bas. Et puis si on peut récupérer quelques lunes. Est-ce que je pourrais pas? Mais si... C'est exactement ça. Oh, ça c'est génial. Si tu te perds, dirige-toi vers la lumière, ok. Merci. Ok. En surplomb, voilà, parfait. Ok. Oh, il y a un tuyau là, bien caché. Ok, c'est d'elle. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? Il y a un trésor caché quelque part dans cette pièce. On a dit, ce n'est pas visible, mais il est perceptible, c'est de sentir les vibrations de déplaçant. Voilà. Qu'on vit pour le sol du désert. Ok, bon, mine de rien, on avance pas mal hein, dans les lunes, ça avance plutôt rapidement. Qu'est-ce que tu cherches? Moi je sais. Sur le pilier penché. Où est-ce qu'elle est cachée? C'est pas, faut chercher. D'accord, ok. Sur le pilier penché. Oh, à mon avis, il va falloir... Alors ça, je pourrais pas avoir les pièces avant d'avoir dégelé la fontaine. Ah, une jolie carte. Ah, on peut se téléporter au drapeau, carrément. On peut se téléporter à l'Odyssée aussi. Alors apparemment, là, il y a le jeu du chapeau, donc on va y aller. Ça peut être intéressant de faire un petit peu tout ça. Alors attends, qu'est-ce que tu veux? Le deux qui fait la vie des Védèques dans le monde entier. Des 10 pièces la partie, tu veux essayer un coup. Allez, vas-y. Oh. Ça prend le cœur rouge, donc c'est des pièces cœur rouge.
viser tout droit. Vas-y, du coup j'étais remboursé donc ça va. Ça c'est pas ultra compliqué en vrai. Voilà. En vrai, je retente très bien parce que je pense qu'il y a moyen de gagner ma pièce. On va essayer d'avoir le cœur doré. Donc il a pris la lune. Oh là là, les deux d'un coup. Ok, bon, ça fait pas assez de pièces. Ok, clairement, c'est pas ouf. Ok, je pensais qu'en fait, genre, ça faisait plus de pièces de l'avoir, mais bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Oh. Alors ça, clairement, c'est cool. Ces empreintes sont celles de Bowser. Truc de voyage sans longueur, envie de sauter plus loin. Courez, accroupissez-vous. Ouais, d'accord, c'est elle pour s'accroupir. Oula. Ok, alors clairement, on a l'air d'arriver dans une nouvelle zone. Du coup, ce que je vous propose, les amis, oui, ce que je vous propose, voilà. Ce que je vous propose, c'est tout simplement de s'arrêter là. Je vais retourner à la ville. Oh, c'est quoi ça? C'est génial. C'est génial. C'est génial. Du coup, on va retourner juste en ville et on va aller voir à la boutique là si on n'a pas... avec les pièces violettes notamment, acheter des trucs ou quoi. Ça peut être sympa. Parce que comme ils l'ont dit, les pièces violettes sont utilisables que dans cette zone. Donc... autant... Et vous savez quoi? On va avoir un Mario. En tenue... En tenue locale. Magnifique. Magnifique. Moi je dis juste magnifique. Il y a une armoire pour changer, en plus c'est pratique. Du coup c'est parfait les amis. On va s'arrêter là du coup pour cet épisode. Tandis qu'on vient de... En tout cas on a l'air de bien se geler aussi. On va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour ce premier épisode de Mario Odyssey. Nous, on se retrouve la prochaine fois pour la suite du Let's Play. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye tout le monde.